Salut! Tout le monde en parle, ou du moins tout le monde devrait en parler. La France s'apprête à voter un projet de loi de renseignement qui ressemble étrangement à un projet de loi de surveillance des masses. Aux États-Unis, ils en sont déjà équipés, puisque grâce à la NSA, la National Sauvegarde Automatique, ils enregistrent en masse les emails, les appels téléphoniques et tout ce que vous faites sur Internet. Tout ça est d'ailleurs très bien expliqué dans le film Citizen 4, où on en apprend beaucoup sur Edward Snowden, lanceur d'alerte sur la surveillance des masses. Et on peut d'ailleurs se poser la question, pourquoi y a-t-il besoin de tout savoir sur tout le monde? D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Un des nombreux avantages de la surveillance des masses, c'est que si par mégarde vous effacez un email, vous pourrez toujours en demander une copie au gouvernement. Je sais, vous n'avez rien à cacher. Et moi non plus. Et de toute façon, on s'en fiche, parce que les gens qui vont avoir accès à cet outil de surveillance des masses ne sont que des gens bienveillants. Allô, monsieur Hervois? Oui, allô, madame Annick Leloc? Allô, madame Patricia Adam? Bonjour, monsieur Richard Ferrand? Bonjour, monsieur Jean-Luc Benven, je vous appelle. Oui, bonjour, monsieur Hervois, je vous appelle. Madame Adam? J'aimerais vous appeler. Bonjour, monsieur Lebris, je vous appelle à propos de la. Bonjour, madame Chantal Guité. Allô, Gunegan Bui? Oui, bonjour. Allô, François de Rugy? Oui, bonjour. Bonjour, Éric Alauzé, je vous appelle. Bonjour, Patricia Adam? Oui, voilà. Monsieur Hervois, bonjour. Allô, madame Adam? Oui, bonjour. Ces personnes sont en train d'appeler leurs députés pour leur demander des comptes sur le projet de loi renseignement. Ça vous concerne? Alors, vous pouvez en faire autant. Après le 5 mai, il sera trop tard. En attendant impatiemment que ce projet de loi soit voté le 5 mai, je suis quand même très curieux de ce que vous faites. Alors, mettez-moi en copie de tous vos emails à sébastien@impro-infini.fr. Surveillez-vous les uns les autres et surtout... Je t'emmerde, Cazeneuve! N'oubliez pas d'être formidable.